Oh, hi, Mark. Salut tout le monde, c'est Citadin. Aujourd'hui, on va un peu tester une petite arme qui n'est pas forcément mise en avant sur Warzone. Je veux parler de la RIVAL-9 et de la MTZ-556. C'est parti pour les petites classes et puis le reste du gameplay, comme d'hab dans ce petit format de vidéo. Sur la RIVAL-9, voici ce que tu peux mettre comme accessoire. Tu mets en bouche le silencieux quartier maître, le laser VLK LZR 7 MW, la crosse EXF pour combat, la poignée en paracorde pour l'accessoire canon et le chargeur tambour. Cependant, si tu veux avoir une variante avec un peu plus de précision, celle-ci est vraiment une classe un peu plus mobilité et combat rapproché, voire dans des distances entre 10 et 15 mètres. Alors pour ce faire, tu devras juste permuter le laser avec un autre canon qui est le canon rival C Clearshot. Et en le permutant, bah, tu auras des stats un petit peu meilleurs et tu auras vraiment une gestion du tir qui sera beaucoup plus simple. Et avec cette petite Rival 9, en fait, pourquoi je l'ai prise? Car elle est relativement forte dans le multi et je voulais un petit peu voir ce qu'il en était sur Warzone, car certains viewers m'ont dit qu'elle était vraiment pas mal et qu'ils jouaient avec. Donc j'ai voulu tester par moi-même, d'où le fait que je t'offre cette classe. Écoute, si t'aimes bien le format, bah, n'hésite pas à mettre un like, à mettre en commentaire les classes que toi tu utilises et à t'abonner à la chaîne pour avoir un peu plus de classes hors méta. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, je vous mets une petite surprise avec une seconde classe. Bref, merci beaucoup d'être passé, à très bientôt, ciao ciao. Holy Jesus. What is that? What the f- What is he doing? He's beginning to believe. I'm gonna come. Oh. Get out of here. Perdez du terrain. Gay. Comme je vous le disais, voici la petite surprise de la fin de vidéo, c'est la MTZ-556. Alors c'est un fusil d'assaut relativement très bon à jouer en fait en Warzone, peu importe le mode de jeu sur lequel vous jouez. Vous lui mettez le quartier, quartier maître en bouche, le canon Pro MTZ Clinch, vous lui mettez également la lunette jack sans verre, la crosse MTZ maraudeur et évidemment le chargeur tambour. Donc là vous gardez une classe qui est relativement mobile où c'est assez facile de viser, mais il faut quand même un petit peu gérer cela. Et si vous voulez une arme encore plus facile qui tend un peu plus vers la STG ou une AR un peu plus lourde comme la puée de l'attaque 56, vous allez mettre le canon tout simplement. Ici vous mettez ce petit canon long et lourd MTZ de Drifter. Voilà pour la petite surprise de fin de vidéo. Ciao ciao. Nice.